je me demande ce que je fais, parce qu'en fait, euh, c'était euh, Véronique euh, Naumgrap qui m'avait, était initialement prévue pour cette euh, leçon, qui m'avait demandé à passer à, à avant. Et euh, donc j'ai mis cela différents ensembles, mais en fait c'est des choses que j'ai toutes dites, je me dis. Et comme on a un quart d'heure de retard, 3h11, 3h26, bien, bien tapé, je ne vais pas faire une leçon en deux minutes. Euh, donc je me dis que je vais... Euh... Parce que différents ensemble, c'est... Je vais vous donner juste l'idée. Juste l'idée, différents ensemble. L'idée, c'est simplement que... Euh... Quand les humains sont ensemble, ils ne peuvent être ensemble qu'en différents. Ils ne peuvent pas être euh, tous pareils. Ils ont besoin de différer. Mais pour différer, ils ont besoin d'être ensemble. On ne peut pas différer tout seul. Et euh, il me semble que c'est ça, je dirais, le, le, le cœur, j'allais dire, à la fois de notre euh, de notre question et de notre réponse, si je peux dire. Notre même... question, c'est justement comment euh, penser en même temps le, la communauté et comment penser la différence. On pourrait dire ça sur le plan de l'économie, de la politique, des, des opinions, etc., On peut, oui, au sens des arts, au sens des cultures, au sens des religions. En fait, j'avais surtout préparé une, un développement par rapport aux religions parce que je pense que face à la mondialisation aujourd'hui la pluralisation c'est la pluralisation économique la pluralisation politique mais aussi la pluralisation des cultures ça va vraiment avec cette question de la de l'acceptation de la pluralité religieuse qui est une énorme une énorme question pas si facile que ça il est même pas si facile que ça pour les, les polythéismes en fait bon. euh, et donc l'idée que on est différent ensemble c'est-à-dire qu'en fait c'est c'est parce qu'il y a plusieurs c'est d'ailleurs une idée que qu'on trouve ici dans cette dans cette chaire. À, je crois, si je ne me trompe pas, peut-être que Richard Cadou va me contredire, mais il me semble que c'est de là que que prêchait euh, Bossuet euh, au roi Louis XIV qui était là quelque part dans une de ces de ses, de ses alcôves. Il venait du Louvre. C'était avant Versailles. Bon. Euh, eh bien, un des adversaires de, je suis en train d'inventer, d'improviser un truc, comme Louis, <laughs> un des adversaires de Bossuet qui s'appelle Pierre Bayle avait une figure très très forte en disant voilà, en fait, la société que nous espérons, que nous attendons de nos voeux, c'est une société dans laquelle il y a une voûte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pilier qui serait une religion, qui serait la seule bonne. Il y a une voûte, il y a un vide central, il n'y a rien. Et simplement, il y a une pluralité. On pourrait dire de, de, de pression qui, qui ensemble tiennent cette, cette voûte. Mais justement, il faut qu'elles qu sentre mutuellement euh, d'être chacune, de prétendre être la seule. Donc on a besoin de cette pluralité pour pouvoir penser l'unité. Plus, encore plus, d'autant plus qu'on est à l'âge de la mondialisation, on a besoin de penser la pluralité, on a besoin de penser cette, cette, cette pluralisation et cette différence. Et... Euh, euh, en ce sens-là, c'est très important de ne pas penser l'élimination de la différence, l'élimination des, des traditions, des cultures, des codes. Moi, je, euh, je, dans le, ce que j'avais préparé là, je voulais développer l'idée que les religions sont comme des langues, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de langue universelle et euh, il n'y a pas de religion universelle, et que d'une certaine manière, euh, la, la question aujourd'hui et que c'est pareil que les gens naissent et meurent. Hein, bon. Euh, et que on a besoin de cette pluralité parce que justement l'humanité a besoin de cette pluralité elle-même, c'est-à-dire que l'unité est, est au-delà, elle est plus grande, elle est plus, ces différents codes, ces différentes langues sont différentes manières de nommer peut-être quelque chose qui est la même chose. On ne sait pas. Hein, C'est il y a une part traductible, mais une part intraduisible. C'est une recherche et une recherche dont nous n'avons pas le, le dernier mot. Euh... Peut-être euh, encore un dernier mot, pour ne pas augmenter le, le, le retard. Un dernier mot sur euh, sur la religion, puisque je parle de religion, puisqu'on parle de je parlais de la religion comme langue. Je dirais qu'en sens-là, ce que on appelle souvent la foi, ce serait l'ordre de la parole. Ce serait l'équivalent de la parole. C'est-à-dire que une des choses qui me semble le plus dangereuse, ce serait de penser une foi pure, purifiée de toute de de toute langue, comme si la parole pouvait se faire sans langue, comme si, une, comme si, une fois, on va dire sans culture. Hein. Mais une fois sans culture, sans langue, qui ne connaît pas sa propre langue, qui n'a pas travaillé sa propre langue, euh, justement, c'est le fondamentalisme. Si vous voulez, c'est une fois inculte. et une parole pure sans langue, c'est une sorte de folie. En fait, c'est pas, c'est pas tellement possible. De l'autre côté, une langue sans parole, une langue sans parole vivante. Une pure tradition culturelle, un petit peu comme on a chez, chez Charles Maurras. Hein, Charles Maurras, euh, l'action française, c'était l'idée que le catholicisme, c'est la religion de la France. On n'y croit pas, mais c'est la religion de la France. Aujourd'hui, c'est une opinion très, très, très communément répandue, de nouveau, que finalement les religions, ma religion, j'y crois pas, mais c'est quand même la moins mauvaise. Et on trouve ça dans l'islam, on trouve ça dans le judaïsme, on trouve ça chez les protestants, chez les catholiques, etc. On trouve beaucoup de gens euh, comme ça, et je pense que c'est très dangereux parce que ça veut dire que euh, finalement les religions ne sont là que, que comme des langues au sens identitaire, au sens intégriste, une langue que personne ne parle mais qu'on maintient comme un apparat en quelque sorte euh, mort, comme une sorte de langue morte qui, qui fait partie de l'identité. Je pense en ce sens-là que c'est très important que voilà qu'on puisse euh, ne pas être incarcéré dans une langue, ne pas être incarcéré dans une religion, le droit de partir, le droit d'abjurer, droit de quitter, le droit de se convertir, le droit de ça. Sans croire trop vite à une sorte de tourisme universel, croire qu'on peut parler toutes les langues. Non, pour parler une autre langue, c'est un énorme travail de dépaysement, faut pas croire si facilement que ça qu'on puisse rompre avec sa propre langue, rompre avec ses traditions, rompre avec sa culture. C'est un travail de détachement. Je dirais l'athéisme d'ailleurs est un travail de détachement très très difficile. Hein et euh, D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est le monothéisme qui a inventé la destruction des dieux. Il n'y a plus de dieux. Hein, c'est une invention monothéiste la destruction des dieux. On a eu une séance au collège de Francière avec Thomas romer euh, qui me montrait ça très très nettement. C'est très in intéressant. Euh, et donc euh, voilà, ne pas croire qu'on puisse se dépayser, euh, si, sortir de sa langue si facilement. Je pense que simplement ce qu'on peut, c'est Imaginez qu'on va vers des, des êtres de plus en plus bilingues. Bilingues par rapport à leur culture. Par là, je parle plus seulement des religions, je parle aussi en général des, des langues, etc. Et je pense que c'est très important de ne pas être monolingue, c'est-à-dire être tellement dans sa langue qu'on ne voit même pas qu'on parle une langue, qu'on croit qu'on ne parle aucune langue, alors qu'en fait, on parle une langue. Voilà, j'arrête là-dessus.